En direct en public, à l'occasion de cette troisième et dernière journée du S3C Paris, j'ai grand plaisir à accueillir ici même eh bien Dominique Brogy. Bonjour. Bonjour. Dominique Brogy, vous êtes la présidente de Midphone Présentation. Alors Midphone, nous sommes un éditeur global de solutions technologiques de communication, à savoir que nous faisons des solutions web et mobiles pour aider à une communication de proximité qui est très publicitée aujourd'hui. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de clients dans différents domaines, l'entreprise, l'industrie, les associations. Parlez-nous aujourd'hui à l'occasion du S3C de votre savoir-faire en matière de collectivité de territoire. Oui, alors nous avons travaillé, nous avons sorti à l'occasion du Salon des maires de novembre 2014 une application citoyenne et notre solution s'appelle FabVille. Et en fait, c'est un guichet unique où on retrouve toutes les fonctionnalités indispensables pour qu'un citoyen vive sa ville le mieux possible. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on connaissait très mal les territoires. On s'est rendu compte aussi, après avoir fait des analyses assez exhaustives, que le rôle du maire et de l'élu avait totalement changé, que c'est devenu un animateur de territoire et qu'à ce titre, il est très important d'avoir une communication, mais une communication aussi bien dans un sens que dans l'autre, qui soit choisie et non subie. Et en 2015, je vous assure, c'est un véritable challenge, compte tenu du flot d'informations partout, d'amener cette solution. Ouais, c'est être proactif plutôt qu'en réponse. Ouais. À l'époque où tout vient d'en bas, hein, le bottom-up implique des changements assez profonds. Alors, très concrètement, comment ça se passe ? Je suis un élu, je tape à la porte de Midphone. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Bah alors, Midphone va venir taper à votre porte. Oui, c'est bien aussi. Midphone va venir taper à votre porte pour vous dire, voilà, on a créé cette solution FabVille qui est un guichet unique. Et c'est une application mobile. Donc, en fait, la mairie va acheter cette application. Nous avons fait des prix qui sont fractionnés sur la taille d'habitants, donc pour essayer de répondre aussi à la problématique donc des collectivités toute locales. Toute petite ville peut s'adresser Absolument. Et peut avoir accès aux solutions Midphone. Absolument, Midphone. Parce que nous, ce que l'on fait, on met en place une licence d'exploitation annuelle, d'utilisation annuelle. Donc en fait, ça permet à la ville de recevoir une application qui ne sera jamais obsolète, parce qu'on travaille sur une utilisation des fonctionnalités. Donc quand on a une innovation, une très bonne idée qui nous est amenée par la ville Y en bénéficie. Oui, c'est ça, c'est du collaboratif. C'est très important. Retour d'expérience mutualisé. Ce qui permet de faire ce genre de tarif. Sinon, ça serait impossible parce que la technologie coûte cher. Parce que nous sommes, premièrement et avant tout, une boîte de techno. Nos applications, si vous voulez, pour la faire simple, vous avez dans votre main une application qui recense l'actualité de votre ville. Alors, tout ça est classé. Alors, comme je parle d'informations choisies et non subies, ça veut dire que je peux aussi aller choisir et dire, moi, par exemple, je ne m'intéresse qu'à la culture. Et à chaque fois que la ville va publier une info ou un événement lié à la culture, l'appli, même fermée, je vais recevoir un push. Il y a de l'alerte qui... Voilà. Donc, je ne rate pas ce qui m'intéresse. Mais par contre, je ne suis pas polluée par ce qui ne m'intéresse pas forcément, mais je peux quand même aller consulter. Donc, il y a forcément l'actualité de ma ville, il y a forcément l'agenda. Bien évidemment, là-dessus, il y a toutes les fonctionnalités qui vont, comment j'y vais, comment je m'y rends, je peux les joindre aussi par téléphone. Je peux partager sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet aussi à la ville ou à la commune qui organise son événement d'avoir une exposition visuelle plus grande, plus de visibilité, pardon. Et puis après, on arrive à la fonctionnalité clé chez moi qui est la carte. J'ai une carte dynamique interactive qui est une véritable, comme je disais tout à l'heure, une technologie qui me géolocalise. Et derrière, j'ai un filtre. Donc, ce que je cherche autour de moi, je le vois tout de suite, que ce soit les écoles, les parkings, les jardins, le tourisme, enfin tout ce qui est logique, toute l'organisation mise au service de la vie quotidienne dans une logique. Très bien. Avant-dernière question, avez-vous des exemples très concrets de villes qui utilisent aujourd'hui bien votre sûr. Techno ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Quelques bonnes pratiques dont vous êtes particulièrement fiers ? La bonne pratique, alors déjà, une chose qui est très importante, c'est que nous, on a décidé on ne pouvait pas faire une application citoyenne sans parler de l'emploi, qui est quand même le sujet clé et phare aujourd'hui. Je ne vois pas comment vous pouvez bien vivre votre ville si vous n'avez pas de boulot et que vous êtes en âge de travailler. Donc, dans cette application, il y a aussi la possibilité pour l'élu de mettre en avant un lien où les pourvoyeurs d'emploi peuvent déposer leurs offres. Donc, on est un facilitateur là-dessus. Donc, aujourd'hui, on a une cartographie qui est intéressante parce qu'on a sorti ça au Salon des maires et on a des villes très disparates qui ont répondu. On a Paris 17, qui est 171 000 habitants. On a une ville comme Rueil-Malmaison, où on a 70 000 habitants à peu près. On a Saint-Cyr-l'École, ça va être genre 20 000. Châteauroux, 45 000. Et puis une communauté de communes, la Sologne-des-Étangs. Donc l'avantage d'avoir toutes ces expériences, c'est que ça nous a permis de faire un meilleur profilage, mais aussi de nous rendre compte qu'ils partagent finalement tous ces mêmes problématiques. Eh bien, écoutez, c'est très très clair. Si quelqu'un donc veut prendre, avant même que vous-même preniez contact avec Midphone, un site web... On a un site, c'est tout simplement www.midphone.com. C'est... Midphone. Oui. Un grand, grand merci, Dominique Brogy. Revenez merci quand vous voulez à la tribune du S3C. Ouais, mais au S3C, qui je tiens à adresser mes remerciements, parce que je trouve qu'ils ont monté un événement qui est absolument formidable. À 4 mois pour le faire, moi j'ai adressé aussi. Bravo et chapeau bas. Bravo à leurs créateurs. On est heureux d'en faire partie. Eh bien, merci d'accompagner cette dynamique. Revenez merci quand vous voulez. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.